Action. Action. Eh ben bonjour, on va assister aux quarts finales du doublette féminin de la Voult entre Cindy Massonnet, Manon Bonneau, Emma Picard et Louane Carlier. Grosse partie en perspective. On connaît tous Emma, une équipe de France, et Manon Bonneau, championne doublette et triplette de l'Ardèche, avec Cécile Seignevert. Petit échauffement. Je suis toujours en compagnie de Didim, le régisseur caméra, toujours avec moi. Il me surveille si je fais pas trop de conneries. Bon, Didier, on devrait assister à une belle partie normalement. Qui ça? L'arbitre en Ardèche? L'arbitre? C'est pour ça qu'il a dit qui est du dos? Ouais, il a dit. Non, moi. Moi, j'ai envie. Ah, d'accord. Toi, t'es où, toi? Ah, bah, il vient d'Ardèche. Ah, il m'a dit. Mais mon numéro. Ah, bah, c'est bien. Eh bah, c'est parti. Allez. Ah, faut partager, mais ça. Mais tu peux le dire, toi, Baba. Ils t'entendent, hein? Si, ils t'entendent pas? Ah non. Ouais, n'hésitez pas à partager cette partie, ça peut envoyer du feu. Donc, Louane au point. Bien joué. Très belle boule pour commencer. Cindy, du coup. On va voir, ça va être une duel de gauchère, je crois. Duel de gauchère au point. Poule qui est 50 devant. Cindy, ah, tout de suite dans le bouchon. Sans problème, c'est bien joué. Qui envoie Emma au tir. Allez, Emma qui va tirer sa première boule. Il y a 8,50 m. C'est parti. C'est frappé, tiré de Emma. Elle frappe pour commencer la partie. Deuxième boule de Cindy, du coup. Ah, elle a pas envoyé. Il me semblait qu'elle était courte. Bien au jeu, mais. Il manque un petit peu, un peu de force. Ok. N'hésitez pas à partager. Je vais essayer Céline de lui faire le coucou. Bon, comme elles sont concentrées dans la partie, je veux pas trop, me mêler à tout ça. Manon du coup qui va tirer. C'est carreau. Magnifique carreau. Terrain 6 pour les féminines, la 44 est attendue. Terrain 6, la 44. Et Malouane, du coup, qui va essayer de couper les points. 3 points par terre, dont un très très près. Voilà. Décidé de jouer sur la droite de la boule. Elle a passé. Bien joué. Allez, c'est au tour d'Emma maintenant qui va aller attirer sa deuxième boule. Attirer sur le carreau de Manon. Elle
Un peu courte. Bien ramassée, mais parce qu'il doit manquer un petit peu. Pas grand chose. Un peu court de main. C'est la première main. Première main de la course de la Voulte. 64 équipes au départ. Bien joué de la part de Louane. Gagner le point. Allez, maintenant qu'il repartirait sa deuxième boule. On a commencé fort cette partie par un carreau. Ah, c'est pas droit. J'ai vu. Sortie de main. On est bien dans l'axe. Du coup, une boule à Emma. Une à Cindy, une à Manon. Je pense qu'ils vont retirer. Pas trop de risques. Le jeu, c'est de tirer. Bonjour Stéphane. Ah non, ils ont décidé de pointer du coup, d'essayer de rentrer encore. C'est un peu dangereux. Rentrer dans la boule de loin. J'aurais retiré. Tout traversé du coup. Tout traversé maintenant, du coup, elle ne peut plus tirer. Obligée de jouer pour rentrer. Et en jouant pour rentrer, elle peut donner un deuxième point. Allez, maintenant, une dernière boule de la main. Elle a joué extérieur. Je pense que. Moi, je vais tirer. Du coup, Emma va tirer pour deux. Ou elle peut jouer la sienne devant. Je pense qu'elle va tirer. Allez Emma, tire pour ajouter un point supplémentaire. C'est pas mal. Oh la parole, de... pas donné. Un peu quoi. Et ben un point pour l'équipe Carrier Picard. T'étais là, je t'ai pas vu que t'étais là. Et bah deuxième main. Ah, n'hésitez pas à partager cette partie, ça pourrait être une belle partie. Carte finale. Louane au point pour engager la deuxième main. Ah c'est magnifique. Embouchonné pratiquement. Bien joué. Maintenant on tire. Ah c'est quoi? C'est quoi? Bouchon à 8 mètres. Il faut tirer la deuxième. Ah c'est bien tiré, mais c'est court encore. Maintenant on l'a attaqué fort par un carreau, mais du coup, attention à pas trop se laisser distancer en début de partie. Cindy au point. C'est de colmater. Bien joué. Boule à 50 sur le côté. Je pense qu'on va pointer encore les trois qui arrivent. S'écarter. Il fait toujours beau hein, sur les terrains de la Voulte. Les terrains pas faciles. Petit caillou, un peu bosselé. C'est Mick juste à... Ah, dommage.
cherchait un peu à jouer en face de la boule, malheureusement un peu fort. Et ben du coup, il n'y a pas grand chose dans le jeu. Il faudrait jouer pour rester devant, à mon avis. Celle-là, elle vaut rien. On a un mec derrière. Allez, Cindy, essaie de rester devant. Ah, c'est pas mal. Un peu derrière encore, 50 derrière. C'est dommage. Maintenant, d'essayer de venir se caler ou de venir dans le bouchon. Allez, maintenant, ah, c'est bien monté. Et ben, c'est la plus près. C'est la plus près de chez eux. Je pense qu'on va pointer, il n'y a rien qui gêne pour le moment. Noël One, en plus avec sa main gauche. Pas trop de risques. Allez, vous êtes 77, on n'hésite pas à partager sur le groupe. 4 grandes joueuses là pour cette partie. Ah, Louane, elle a envoyé un peu. Dommage, on va passer au travers. Du coup, elle est en quatrième. Elle est mal, elle part au tir. Tirer déjà la plus près sur la cadrage droite. Concours A, terrain 40, la 50 contre la 127. Terrain 40, la 50 contre la 127. Allez, c'est parti pour Emma. Elle a fait 6 au carreau. Elle fait 6 au carreau. Mais bon, ils font tirer encore 2. Il y a encore moins de place. T'as gagné, Charlie? Non. On a fait un drôle de truc. Il faut faire deux frappes pour que ça vole le coup. Allez, Emma qui tire sa deuxième. Derrière un peu sur la droite. Ah, c'est juste derrière. C'est juste derrière. Malheureusement. Ah, je pense qu'il faut retirer, hein, de toute façon. Tirant celle de droite, Loan a tiré à 3 du coup. Allez, c'est parti pour Emma. Sauter. Incroyable. Juste derrière. Juste derrière, à la sortie, ben ça va pas être cher. Belle one, je pense qu'elle va pointer. Qu'elle est démarquée en tirant, je comprends pas. C'est bien joué, hein. Oh là là, magnifique. Magnifique rajout. Et ben, mène de 2. Avec pas beaucoup de place à la rajouter. Ah oui. Ça fait 3-0. Il bat 3-0 pour Emma et Luan. Un petit 6 mètres. Mal l'écrire à propos, parce que si c'est son fils, il a mal écrit. Hein? Allez, Louis, on a rectifié ça. Et qu'elle vient vers nous, on lui fait un petit coucou de ta part. Un peu dans le dur là pour commencer.
écouter. Je pense qu'elle a gagné, mais je préfère vérifier. N'hésite pas à partager, Louis. Hein, c'est... On fait ça, nous, bénévolement, pour qu'il y ait plus en plus de gens qui puissent suivre les parties. On est là avec des dîmes qui peuvent la revoir en rentrant chez eux. Ouais, sur YouTube aussi, ouais, demain. Donc on en profite. On essaye de faire du mieux possible. Mais finalement, elle voit rien. Il faut demander à l'arbitre. L'arbitre. Il y en a un là. Il est pas en tenue. Il arrive. Cadrage concours B au terrain 32, la 40 contre la 144. Au terrain 32, la 40 contre la 144. Et ben du coup, c'est ça doit être serré. Ou la 40 à peu près, Didier Main. 40, 45 du bouchon. Ben, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné, il y a un petit 1000. Et maintenant qu'il va partir au tir du coup. Je pense que c'est pas le jeu, mais... Je pointerai encore une. Si elle est forte, elle peut... Eh ben allez, c'est le bon choix, je pense. Cindy, il faut rentrer dans cette partie. Oh là 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 là, dommage. Mal frappé cette boule. Bonjour Rémi. Ah, la partie elle démarre mal. Allez, maintenant on va prendre les choses en main, on va tirer. Il faudrait un arbitre au terrain 41, s'il vous plaît. Un arbitre au terrain 41, merci. C'est parti pour Manon. Attention les ombres. Merci. Ça manquait. Ouais. Ben, la partie s'engage mal. Rentrer tout de suite. Comme quoi une boule regarde, de 1 mm qu'elle a pas pris, du coup ça fait jouer deux boules de plus. Ça change tout. Bah, ça change tout, c'est clair. 1 mm, ça change tout. Ouais, la sortie, c'est la quatrième qui vient. Encore perdu. Ouais. Dur. Mais maintenant, faut faire un truc, faut embouchonner ou faire un devant de boule. Bien joué. Et bon, ça risque de. Et ben Emma qui va au tir du coup, la première, mais là il y a 6 mètres. Je donne pas cher de cette boule. Concours A, 16e, au terrain 10, la 170 contre la 215. 30 devant. La 170 contre la 215. Allez, on va retirer celle-là. L'avant avant est tombée deux fois derrière, du coup. On a baissé le bras. Ah là, c'est mieux. Là, elle a fait patinette. Elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle a pris la boule sur la tête, elle a reculé sur la sienne. Elle était mieux partie de la main.
Ben, ma foi. C'est encore 3 boules à 1. Hein. Et encore. On n'est pas encore en bonne position. Il faut qu'elle revienne faire un petit vent de boule ou un. Ou un biberon. C'est bien joué. Ah, c'est freiné. Mais bon, elle est en plein jeu, celle-là, elle peut gêner. Luan, elle va jouer avec sa main gauche, elle va jouer à. Elle a juste à passer les deux boules de devant. Allez, il y a 6 mètres, elle a juste à poser à hauteur, normalement. Ça devrait compter. C'est peut-être une mène de 4 points. C'est court demain. Ouais, celle-là, la fusée. Celle-là, la fusée, à la sortie, bah, ça sera moins cher que prévu, dit demain. Sera 2 maximum. Donc c'était une mène. Et Manon, peut-être elle a bien fait de pas prendre du coup en mettant cette boule devant. Ça a gêné. Et ben, elle a réussi. Dans le bouchon, elle a dû en faire 2. De mettre encore, je pense qu'il y est, mais au moins on sera sûr. À mon avis, il y est. Deux points. Et ben 5-0. Mène de nœud un peu chanceuse d'avoir pris le bouchon, mais au départ ça aurait pu être bien pire. Bon, troisième mène, si mon Didi me veut bien le noter. Donc la quatrième, 2-2, quatrième exact. Comme tu étais là-bas sur le muret, et après tu es intervenu, tu as foutu le merdier. Eh, belle boule. Ça, je m'en vais. Il touche là-bas le patron. Hein? Il a pris un coup de soleil. Allez, belle entame. Allez, Cindy, il faut rentrer dedans. Encore forte, un peu pris le bouchon, mais. Elle a perdu, hein. Allez, c'est pas grave. Allez, Cindy, il faut rentrer dans cette partie, il faut faire plaisir au petit Louis qui te regarde. Voilà. C'est bien ça. Allez. Et ma piquère qui va tirer ça. Première boule de la main. Beau point à défendre. Alors, les ongles, ça bouge de partout. C'est bien tiré. Bien tiré, bien tiré. Pas droit, mais c'est tempé. Allez, Cindy. On va essayer de faire la deuxième reprise de cette main. Jouer avec son bras gauche là. C'est bien ça. C'est bien joué. Très bien joué, elle est passée en force. Ah, ça y est. Elle a peut-être lancé sa partie du coup, Cindy. Elle a joué deux. Déjà la première, elle était bien au jeu. Elle a passé par-dessus le but.
On avait un petit tour, c'est tout. Et du coup, ça a permis que... Ah, c'est bien tiré de la part d'Emma. Très bien tiré. Ah, c'est Manon maintenant au point. Manon qui doit le gagner. Voilà. Elle a bien réussi du coup. Elle était un peu forte. Elle a béqué la boule, elle a dû le gagner. C'est bien. Faut un peu de réussite un peu parfois. Et Emma qui va repartir. Ah, c'est bien tiré. Très bien tiré encore. Magnifique. On fait 6 os encore sur l'autre bout de là-bas sur le côté. Pour le moment, ça ne sert à pas grand-chose, mais on ne sait jamais, ça peut servir. Et bien maintenant, il faut qu'elle fasse attention quand même, parce que la première qu'elle a envoyée était un peu forte. On a rencontré la boule de Louane. Bien réussi. Maintenant, attention, si elle casse les deux, Louane, ça peut faire un truc bien. Mais bon, elle avait perdu le poids maintenant. Dans cette main, elle a eu deux boules miraculeuses. Deux boules. Première, elle a béqué pour gagner le point. Elle était forte, elle avait pris le bouchon, elle a fait deux. Louane, je pense que en tirer. Deux points par terre. Dans le point du coup. Et ben, mène de 3 qui s'annonce pour Manon. Donc c'était mal engagé. Bon, on a eu. Qui a fait que ce petit coup de réussite fait passer des boules N2 3 et ben non 2 N2 2 points 5-2 du coup on va attaquer la cinquième main. Allez, 5ème main, 5-2. C'est une idée à la jeu. La première un peu forte. Mais elle a très bien joué ses deuxièmes. Allez, faut continuer comme ça. Ah, c'est quoi? C'est un peu quoi? C'est dommage. Elle a une boule. 60 devant et 40 sur le côté. Louane, normalement, devrait gagner le point assez facilement. Et voilà, c'est dans le but. Sixième concours A au terrain 9, la 198 contre la 121. Au terrain 9, la 198 contre la 121. C'est dans le but. Allez, Manon. Sauter, s'envoler Manon, bien droit, mais et bah Cindy, c'est à toi maintenant de rattraper.
Allez, Cynthia à la pointe. Elle était contre de sa première. Ah, c'est mieux. Beaucoup mieux. 30 devant. Qu'est-ce qu'on fait? On va retirer encore. Allez, allez, maintenant, faut taper. Faut taper pour faire jouer. On hésite. Le problème, c'est que en pointant, compliqué à gagner. Faut pas être court. Ah non, on décide de pointer du coup, mais je sais pas si c'est bien joué. Faut réussir quelque chose. Allez, Cindy. C'était pas mal. Faut jouer un peu plus fort. Essayer de toucher quelque chose. Voilà, déraillé complètement. Donc il a donné. Tourner la main. Ça risque d'être compliqué. Attention. Allez, maintenant, faut bien jouer les deux tiennes. Salut mon Seb. On se voit bientôt. Pour le Provençal, c'est Stéphane Bunier qui commente. Stéphane Bunier de Moidieu. Ah, bravo Manon. Bien joué. Elle n'a pas gagné, mais... Très belle boule. Ah, faut mettre encore une. Courbé, terrain 12, la 99 contre la 128. Au terrain mettre 12, encore la une, sinon ça risque d'être cher encore. Bien joué. Ah non. Attention, si Cindy le bonheur, si Emma le bonheur de bien tirer, ça peut faire mal. On va tirer devant. Allez, c'est parti pour Emma. On va tirer sa première devant. On peut faire du boulot. On peut faire une grosse main. Bien tirer la main d'avant. Pas droit. C'est pas droit. On décide de retirer. Allez, Emma. Tapez pour faire un peu de place. C'est mieux. Et ben, on a écarté l'autre à côté. Je pense qu'on va tirer encore la plus près et après on pourra pointer les. Rajouter les deux autres. Voilà. Allez. Emma qui va tirer sa troisième. Un peu de place pour Luan. C'est bien tiré. Oulala. Voilà, elle a fait. Elle a fait un massacre. On a fait un massacre, c'est 4 sans jouer. Bien, on sera là, mon Seb, hein. Il n'y a pas de souci. Cadrage au cours B, au terrain 14, la 172 contre la 28. Au terrain 14, la 172 j'ai déjà mis 9, hein, parce que c'est... contre la 28. C'est impossible à ne pas les mettre. Il faut juste à les jeter. On fait un drôle de coup. On fait carreau le bouchon, il est parti sur le côté avec l'assiette. Réussite max. Mais bon, c'est bien tiré. 39 à 2. On va attaquer la sixième main. Le revoilà. Tu t'es où? C'est tout fait. Ah oui, c'est tout fait. Ah bah attends. Ah, Emma, elle a fait un gros tir là. Elle a manqué la première. Ouais, oui. Ben oui, on sera là-bas au Provençal. Le... Je crois que c'est le 16 mai, il me semble. Enfin, c'est le jeudi de l'Ascension. 16 ou 18, je sais plus. Les mois d'hier sont là-bas avec, avec le patron Ludo. Puis, je sais. Il y a deux équipes, c'est sûr. Je sais pas s'il y a une troisième. Allez, Luan, bien engagé, encore une belle boule. Il joue pas loin.
Allez, samedi, faut se mettre en route maintenant. Après, c'est maintenant, après ce sera trop tard. N'hésitez pas à partager le live. Pas au jeu. Jouer en face du but, un coup de main un peu qui va sur la droite, ça fait que du coup, ben, 16e concours A au terrain 15, la 10 contre la 180. Dommage. 15, la 10 contre la 180. Allez, Cindy, Manon a besoin de toi là, il faut que tu l'aides. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux, mais on va peut-être manquer de force. Cela est bien joué à la main, en tout cas. Parti sur la gauche, celle-là. Allez, Cindy. Allez, faut bien jouer celle-là. Allez. Pas pu rentrer dans cette partie malheureusement. Ben Manon, je sais pas ce qu'il faut faire. Je pense qu'il faut encore pointer à mon avis. Mais... tirer trois fois pour pas perdre. Mais bon. On va juste retarder l'échéance, c'est tout. Je pense que c'est le jeu pointé. Hein. Aïe. Alors là. Ah, on va commencer à se gratter la tête. Si vous êtes en live sur quoi? Sur Facebook, le groupe Pétanque. Et c'est tout? Et sur YouTube aussi? YouTube demain. Ah, YouTube. Ouais. Et là, on entend parler? On t'entend, ouais. Je fais une dédicace à Adem. D'accord. Et bah là, Manon, elle est pas bien. Du coup, je sais pas si il va peut-être falloir qu'elle tire au bouchon, hein, à mon avis. Presque perdu. 16e concours. On tire deux fois la boule. La 67 contre la 112. Au terrain 16, la 67 contre la 112. JT, le problème, c'est que le terrain n'est pas si facile que ça. Les hommes ont joué là, je peux te dire qu'ils sont cassés les dents aussi. Oui, là-bas. Allez, Emma qui va tirer, mais bon, elle a tiré toute la partie. Bohan lui a mis la table tout le temps. Allez. Elle continue à bien tirer. 6,50 m. C'est tapé. Et ben, ce sera presque tapé gagné. Enfin, presque tapé gagné. Faudra rajouter, mais c'est à la place. Allez Manon, on va en faire jouer encore. On demande à l'arbitre au terrain 47. Bien envoyé. Ah, c'est pas mal. Elle s'est mise en face, peut-être ça peut l'éviter de perdre. Allez Emma. Petit carreau, ou la passer seule et rajouter. Pas droit. Carreau sur l'autre, c'est peut-être pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. Voilà. Oui, mais elle a pas rien fait, du moins. Parce que c'était manqué, du coup. Ça l'a pas seul, et a peut-être deux, du coup. Allez. Les mains qui repartiraient. Voilà. Elle a le talent pour la passer seule, la boule. Elle a pas passé seule, mais elle a fait carreau. Comment on fait? Comme ça? Je sais pas. Il y a peut-être deux par terre.
Je pense que c'est. Je sais pas. Je pense que c'est le jeu de pointé quand même. À peine elle touche le bouchon, elle a pratiquement gagné. On va mesurer. Pour l'instant, qu'elle mesure. On va faire un petit coucou. Aux deux filles du groupe pétanque qui reine de l'escalade. Sur le jeu d'à côté qui vont faire les demi-finales, je crois, du B ou peut-être la finale, je sais pas. Elles font toutes dans le groupe pétant qui font tout, sauveteur de boules, tout. Allez, on se remet à la partie Louane du coup. On va voir Anaïs qui escalade. Ouais, j'arrive. Allez, courte. Je crois que ça va pas être perdu du coup dans cette main. Restez deux boules à Louane. Et là, je pense qu'il y en a un. Il n'y a qu'un point par terre. On peut voir sur la droite les Anaïs escalader les portails. Les groupes pétanques sont partout, même par-dessus les barrières. Je vois quel tir carreau gagné, Louane. Elle a sauté. Elle a tiré la sienne. C'est la sienne, non? Je ne sais pas si elle marque. J'ai pas tout suivi. Et du coup, Loan, oui, a tapé concours, la sienne. Voilà, pas marqué. Incroyable. Terrain 4, la 11 9 à 3. La 31, la 11 contre la 31, terrain 4. Tirer carreau gagné à la sautée, a tapé la sienne. Retournement de main incroyable. Et ben. Là, Cindy. Ah, c'est dommage, encore aller. C'était bien joué, elle est passée. Ah, cette partie, elle n'arrive pas. Ouais, elle pointe bien à chaque fois, mais. Comme quoi, partie presque perdue. Voilà, crocheté, après, tu vois, une frappe là-bas, taper la sienne, derrière, crocheté. Mentalement, ça peut être dur. Là-bas. Bien joué. Oui, après, quand on joue avec Emma, on est quand même un peu plus à l'aise que. De nous remettre, mais je crois qu'elle a perdu encore. Bonsoir, Jeannot. Et bien, drôle de partie. Drôle de partie. Partie presque finie à la sortie. Pas marqué. Et là, deux boules perdues. Le bouchon au passage, mais si maintenant on se met à bien tirer, ça peut faire une main de remise en piste. Je pense qu'il faut tirer. Allez, maintenant c'est le moment pour revenir dans cette partie. 6 mètres, bien tiré, carreau. Deux points par terre et quatre boules à trois. Attention, c'est une belle main qui peut s'annoncer. Ça peut relancer cette partie. B, au terrain 17, la 159 contre la 109. Au terrain 17, la 159 contre la 109. Et bah,
Emma dans le but. Magnifique. Allez, Manon. Tire à deux. C'est pas mal. Oh, elle sautait. Sauter. Oui Jean, on peut les revoir demain sur le YouTube. Elles seront toutes demain en ligne apparemment. Le coach, le patron va s'occuper de ça demain. Et tu me mets, ou ce soir peut-être même. En tout cas, je le remercie encore de m'avoir accepté dans son groupe. Merci à toi. Bah, moi, écoute, c'est avec plaisir. Très bien joué encore, Emma. C'est un plaisir de rejoindre une équipe sympa. On s'amuse, c'est le plus important. Allez, Cindy qui va tirer sa première boule. Aïe, 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 aïe. Pas droit. Cadrage au cours B. Terrain 19, la 21 contre la 3 au terrain 19, la 21 contre la 3. Difficile cette partie pour Cindy malheureusement. Bah Jean, tu vas sur YouTube apparemment et tu m'agroupes pétanque. Et tu verras toutes les parties et oui, tu peux revoir toutes les parties même. Faut pas hésiter à s'abonner sur la chaîne. S'abonner oui, sur la chaîne du groupe Pétanque. Vous pouvez voir toutes les parties qu'on a filmées depuis le début du groupe qui sont en ligne. Et je peux même vous en conseiller une belle à Borpère. À Borpère, c'est moi qui ai commenté. Donc la partie, c'était Dumont contre Bousquet. Clément Bousquet, je vous la recommande. Voilà, si vous voulez voir des carreaux, vous allez en voir. Au terrain 21, la 115 contre la 105. Au terrain 21, la 115 contre la 105. Ah oui, la partie ce matin, Dumont aussi, contre Thomas Vial de ce matin, tête à tête. C'était une belle partie. Et ben 11 à 3, du coup, Emma, elle a fait la grosse main. Cindy un peu en dessous dans cette partie, elle n'arrive pas à rentrer. Il manque pas grand chose, mais elle n'arrive pas. Et oui. Derrière l'écran, toute la famille est là. Les enfants, les neveux, les nièces. Allez, il faut l'encourager, la tati. Au terrain 22, la 29 contre la 53. Et ben 11-3 est bien entamé encore de Louane. Louane a fait un gros jeu. Pour elle a manqué juste cette main là, mais. Point, elle a fait vraiment. Ah, voilà, Cindy. Belle boule d'entrée. Au moins, on peut jouer là. Allez, Manon. On part au tir. 16e, concours A. Oh, au terrain c'est pas 23, payé. La 31 contre la 140. Oh, 23, la 31 contre 20 la 140. Devant. 20 devant par ramasser d'un bras. Incroyable. Droit comme Maï. Mais bon, les parties s'engagent mal, c'est souvent comme ça. Ah bah faut retirer, bien sûr, la boule à Cindy, elle est à 30 sur le côté. Faut pas hésiter, mais bon, quand tu viens d'en tirer une comme ça, à 10 devant, là, comme ça, et que tu la manques, et que t'es 3 à 11, bah, mentalement, c'est pas facile. Mais Manon, c'est une championne, elle retourne. Allez, Manon. Juste derrière. Un coup de vent, un coup derrière. Il va falloir aller au bouchon. Peut-être qu'elle va faire pointer Cindy encore au cas où qu'elle fait une grande boule. La 210 contre la 211. Au terrain 13, la 210 contre la 211. Moi, je vais pointer encore Cindy, c'est au cas où elle fait un miracle, un grande boule ou un bivouac. Sans Manon, elle a besoin qu'une. Dommage.
prends pas l'option de tir au bouchon. Celle-là, la demande, elle n'est pas prête. Je crois que je vois pas ce que je vois pas ce qu'on peut faire. C'est devant de boule. Et même ça, je sais même pas si ça suffira. Et bah 5 boules de gagne. Est-ce qu'on va tirer la plus près à droite? Je sais pas. Allez, ouais, Louane. Petit pointé gagné. Non. On va peut-être démarquer même. On va peut-être démarquer, mais c'est. Non, je sais pas. Je sais rien. À mon avis, ils tiennent plus, mais ils tirent pas. La main, elle tirera après, je pense. Quoique si elle prend le bouchon, elle a gagné. Projeté. Bah Emma va tirer à mon avis. Emma elle va tirer à droite. Un carreau gagné. Allez, Emma. Carreau gagné. On a bientôt deux pour. Bientôt deux pour Sydney, je comprends rien. Mais je crois que. Je sais pas s'ils ont bien tiré au bon endroit. Ouais. Allez, Emma qui retourne au tir. Donc maintenant elle est plus collée la boule en même temps. Carreau gagné du jour ou toujours à celle-là. Je sais pas si on va arriver à gagner dans cette semaine. Allez, c'est carreau gagné. J'aurais pu prendre encore le compte de l'autre côté, ça aurait été le ponton. Et bah 12. J'arrive pas à finir. Mène 8. Je sais pas, c'est Dimitri qui gère les mènes, mais et la mène 6, elle a duré 4 tours. On va pas tarder à licencier. Et bah 12 à 3. Mène bizarre. J'ai dit, elle a juste à avoir le contre encore là-bas, comme ça, elle aura fait la totale. Je croyais que t'allais tirer à droite, moi, tout de suite. T'as pas carreau gagné, là. Voilà. Elle est pas en seconde, loin. Elle est rentrée dans sa boule, non. Elle est rentrée dans sa boule quand elle a pointé. Parce que j'ai dit, pourquoi elle attaque par là-bas. J'ai vu. Et imagine tu recroises encore dans l'autre là ça serait tel pompon. Attention elle tire je crois. Louane t'as le bonjour de Céline Normand. Bah, tu passes le bonjour à bien tiré de la part là. De Manon. Bravo. Là, il est dans la boîte. Ah Louis, Cindy, je crois qu'elle a mis le réveil, mais elle a mis pour demain pour aller au boulot. Mais bon, rien n'est perdu. De rien, Céline. Ouais, elle te renvoie le bonjour. Profiter qu'elle était à côté de moi.
Bien joué, belle reprise de Louane. Allez, Bassidy qui va essayer de gagner le point. Il y avait 60, non ? Équipe 60 doublettes ? 57. 57 doublettes féminines. Mais bon, ça change de l'Isère, beaucoup de jeunes et un bon niveau dans l'ensemble. Ah, voilà Cindy. Bien joué. Allez, la famille Cindy, on sort un peu les pompons. Ils sont tous derrière elle. Tout le monde t'en regarde, Cindy, toute la famille, là. Les neveux, les nièces, les enfants, là, tout le monde. Allez, Emma. Ah, bien tiré. Magnifique frappe. Juste derrière le bouchon, toute seule, petit palais. Bien joué. C'est les cartes finales. Allez, il y en a qui va tirer sa deuxième boule de la main. C'est pas mal. C'est plus que pas mal. On aurait dit Ludo Lucignol. Avec un casse-croûte au saucisson. Recule. Septième, on courra au terrain 30 à 108 contre la 59. Au terrain 30 à 108 contre la 59. Bah, c'est lié, allez. C'est le moment de jouer ta troisième parfaite. Toute la famille est devant la télé. C'est le moment de leur faire plaisir. Au terrain 34, la 21 contre la 3, dommage. La 3, au terrain 34, la 3 est attendue, le terrain 20, 34. Je pense que maintenant on va prendre... Terrain 17, la 159 contre la 109. Terrain prendre l'option 17, du tir. La 109. Elle sait plus. Elle sait plus quoi faire. Elle hésite. Il faut tirer maintenant. Allez. Chez les hommes, je sais pas d'où j'ai commenté les filles tout l'après-midi, mais chez les hommes, ils doivent être en 16e. Hein, donc, aïe, aïe, aïe. Maintenant, on s'est envolé, je crois, cette fois. Il va falloir un miracle. Et toutes les mains ont dit qu'il faut un miracle, mais du coup, le miracle, il se produit. Déjà, il faut gagner le point. C'est gagné. C'est gagné, il va falloir taper gagner. Enfin, faut pas avoir de contre. Mais taper gagner sans contre. Ça va, Landry ? 8ème du B. Un 8ème du B ? C'est un monstre en boule. Allez, c'est taper gagner pour Emma. S'il n'y a pas le contre. Eh ben, il n'y a pas le contre. C'est gagné. Bravo, Emma. Magnifique, très belle partie. Tout à l'heure, merci.